Une sœur qui est avec nous, qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi c'est Fatima et je suis originaire de Valenciennes. Et voilà, je suis venue visiter mes frères et sœurs hein, que Alléluia. je connais depuis peu. Donc voilà. Alléluia. Et donc tu es convertie depuis 21 ans apparemment. Oui, ça fait 21 ans, je me suis convertie, j'avais 12 ans et demi. Waouh. Par le biais de ma mère qui s'était premièrement convertie et 2 mois après je me suis convertie. Alléluia. Voilà, ouais. Et quelle a été la réaction de la famille? Parce que tu es quand même d'origine musulmane. Oui, je suis d'origine musulmane, mais il faut savoir que mes parents n'allaient pas forcément à la mosquée ou toutes ces choses-là. Mais en même temps, ils avaient gardé certaines valeurs et traditions de la religion. Donc, mon père et ma mère nous avaient inculqué certaines bases, quoi. Mais en même temps, voilà, c'était pas forcément mis en pratique à la maison, quoi. Et donc, voilà, mon père a mal réagi à la conversion de ma mère. D'accord. Il lui a fait la guerre, quoi. Il l'a persécuté. C'était un homme très violent. Donc, bon, ma mère, elle a toujours connu la violence. Mais à partir du moment où elle s'est convertie, depuis le jour de sa conversion, quand elle est revenue à la maison, parce qu'elle était partie quelques mois et c'est comme ça qu'elle s'est convertie, en revenant, elle n'a plus jamais été touchée par mon père. Mon père n'a jamais plus levé la main sur elle. Il y avait comme une protection sur elle. Voilà. Ça. Et en fait, moi, ma conversion, elle s'est faite comme ça parce que ma mère est revenue de son moment là où elle prenait vie avec Dieu. Et la première fois que je l'ai vue arriver à la maison, je ne savais pas qu'elle était chrétienne, rien de tout ça, elle ne m'avait pas encore parlé. Que déjà sur son visage, j'avais pu voir un peu comme Moïse la transfiguration. J'avais vu une lumière, mais je ne comprenais pas ce que c'était en fait. Et ensuite, elle a commencé à me parler. Elle m'a dit, tu sais, Jésus, c'est la vérité. Et tu sais, mais je dis, mais moi, je ne comprends pas. Jésus, tu m'as toujours dit qu'il ne fallait pas aller à l'église catholique, qu'il ne fallait surtout pas parler de Jésus, que ce n'était pas ça. Elle dit, non, je me suis trompée. Jésus, c'est vraiment la vérité. Et elle dit, tu sais, maintenant, Jésus, il va être comme un bouclier autour de moi et ton père ne me frappera plus. Et maintenant, j'ai plus peur de lui. Alors moi, j'étais là, j'ai dit, mais elle est folle. Ça va pas. Alors j'ai dit, il y a 3 solutions. J'avais 12 ans et demi. J'ai dit, soit ma mère est folle, soit elle est dans une secte, parce que dans les années 90, c'était la période des sectes, ou soit elle dit la vérité. Donc folle, j'avais pas l'impression qu'elle soit plus folle que ça. Dans une secte, je me suis dit, ben, ça m'étonnerait parce qu'il l'aurait pas laissé sortir. Et je me suis dit, mais dans le fond de mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Parce que pour avoir pris position comme ça et dire « ton père ne me touchera plus » alors qu'elle était terrorisée par mon père, elle en rêvait, elle faisait des cauchemars. Et là, elle avait vraiment une conviction, une force que j'ai jamais vue en elle. Et donc, moi, ce que j'ai fait ce jour-là, c'est que je suis allée dans ma chambre, j'ai rien dit à personne. Je suis allée dans ma chambre et j'ai prié. Et j'ai dit... Seigneur Jésus, parce que ma mère m'avait dit que c'était le Seigneur Jésus. D'accord. Donc moi, tout bêtement, j'ai dit, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, viens me changer. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, voilà, je montre à tout le monde que je suis heureuse, mais en fin de compte, je ne le suis pas. J'étais un peu le clown de service, je faisais rire tout le monde. Mais en fait, dans le fond, j'étais hyper malheureuse, j'étais triste. Et il y avait moi, tous les soirs, je parlais à Dieu, je ne savais pas à qui parler, mais une fois, je me souviens, je parlais à l'homme et je n'avais pas l'impression que ma prière dépassait le plafond. Et le jour où j'ai invoqué Jésus, le jour où j'ai fait cette démarche-là, où j'ai commencé à parler, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai commencé à parler et j'ai commencé à confesser mes péchés sans le savoir. J'ai commencé à dire, moi, j'ai fait ça et je ne sais pas si tu pourras me pardonner. Et je n'avais pas encore toute cette connaissance vis-à-vis de Dieu. Mais j'ai commencé à déballer tout ce que j'avais fait de mauvais. Et en fait, j'étais en train de me convertir. J'étais en train de me repentir. Et ce qui s'est passé tout de suite après, c'est que j'ai commencé à parler en langue. Tout de suite après. Et je ne savais pas ce que c'était. Waouh. Mais je n'ai même pas eu peur. J'ai pas eu peur. J'étais bien. J'étais dans la présence de Dieu. Je me souviens. J'étais dans un lit superposé. J'étais toute seule dans ma chambre. Je parlais, machin. Et le lendemain, je me souviendrai toujours. C'était la première fois de ma vie où j'avais
envie de vivre. Parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 8 ans, je me souviens, j'avais pris une lame de rasoir, les anciens rasoirs de papa, là. Et je voulais me tailler les veines parce que j'en avais marre de la vie à 8 ans. À 8 ans, ouais. Mais j'avais peur de la mort. Et parce c'est ça qui m'a retenue. Parce que moi, je savais que j'avais fait des bêtises et que j'allais aller en enfer. J'allais aller en enfer. Et je ne voulais pas mourir, aller en enfer. Donc Dieu me connaissait, il savait comment me retenir, en fait. Jusqu'à 4 ans et demi après, j'ai commencé à connaître Jésus et voilà, je poursuis mon chemin. Waouh! 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 Et quelle a été la réaction alors de ton père quand il a su. Mon père l'a pas su tout de suite, mais plus tard, bon, il a vu que j'avais. Je faisais pas trop de bêtises à la maison, je parlais pas beaucoup. Tout l'inverse de maintenant, d'ailleurs. Dieu m'a libérée. mais ouais, il n'était pas forcément content vis-à-vis de moi. Avec ma mère, c'était l'horreur. C'était même pas la peine. Il n'était pas forcément content, mais je pense que dans le fond, il devait se dire, elle a quand même une bonne vie. Elle fait pas de bêtises. Elle a pas fréquenté de garçons avant et tout ça. Moi, je me suis mariée. Et j'avais pas fréquenté de garçon avant, et lui, c'était peut-être une de ses peurs aussi, quoi. D'accord. Voilà. Waouh. Donc, voilà. Et les amis à l'école, tout ça et... J'en ai parlé plus tard, en fait. D'accord. Plus tard, parce que j'étais pas assez affermie. Et parfois, j'étais un peu influencée, parce que comme ça n'allait pas forcément à la maison, et que j'entretenais pas forcément la lecture de la Bible, la prière et tout ça. Des fois, je redescendais, je baissais un peu de régime et voilà quoi. Mais après, oui, j'ai partagé avec mes copains de classe et tout ça quoi. D'accord. Et donc, tu as commencé à fréquenter une assemblée, une église locale. Oui. Alors moi, je me suis convertie sur Saint-Paul-sur-Mer, à Dunkerque. D'accord. Et donc, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et puis, bon, voilà, j'ai un peu grandi dans l'assemblée. Ensuite, je me suis mariée. Nous avons déménagé sur Valenciennes. On a fréquenté aussi l'église de Valenciennes. Mais moi, depuis très longtemps, j'ai soif de grandir, en fait. Et en fait, Dieu me parle. Il me parle dans mon cœur. Il me parle dans ma vie quotidienne, quand je fais le ménage. Il y a plein de choses que je comprends. Et quand je vais dans les assemblées, j'ai pas cette nourriture que je veux. D'accord. Et pour moi, je dis tout le temps, c'est même pas du lait que j'avais. C'était pas assez. C'est des choses rabâchées, c'est toujours la même chose. Et les choses, dans l'assemblée même, ne changent pas. Et au contraire, ça s'empire. Et je comprends pas pourquoi on fait pas bouger les choses. Pourquoi ça ne change pas? Et je me dis, Jésus, c'est pas ça. Moi, je viens de là d'où je viens. Je peux pas expliquer tout dans le détail parce que ce serait trop long. Mais j'ai vécu des choses très, très fortes. C'est comme des électrochocs que j'ai vécu. Et je dis, la vie avec Dieu, c'est pas je vais à l'assemblée le dimanche, je dis bonjour, je m'assois, j'écoute, je repars. C'est pas ça. Il faut que ça bouge, il faut que ça se vit, l'évangile, ça se vit. Et dans ce que je voyais, pour moi, ça ne se vivait pas, en fait. C'était, à l'Assemblée, voilà, moi, j'avais des responsabilités, je m'occupais de la jeunesse, je m'occupais de la louange, je faisais partie du comité jeunesse, enfin, je faisais beaucoup de choses quand même, avec mon mari. Mais, moi, Dieu connaissait mon cœur, il savait pourquoi je le faisais, et sincèrement, je le faisais. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas autour de moi. Et à un moment, Dieu a permis que... progressivement, j'arrête toutes ces activités. Wow. Parce que c'était des activités. Tout à fait. Voilà. Du jour au lendemain. Ouais. Un petit peu à la fois, tchac, tchac, tchac. Et puis au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai tout arrêté parce que je pense que l'évangile, c'est pas ça. Et comment as-tu... est-ce que tu avais déjà l'enseignement sur la dîme, tout ça et... Pas du tout. D'accord. Pour moi, la dîme, c'était normal. Je dis, c'est des serviteurs de Dieu. Ils ont besoin aussi de nourrir leur famille. Si moi, Dieu permet que j'ai de l'argent, voilà, j'aide, je participe et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter sur Internet, on cherchait avec mon mari, que j'ai écouté la dîme, je me dis non, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Et voilà, y a beaucoup de choses qui ont changé. Amen. Et je suis contente parce que c'était des choses que Dieu avait déjà semées en moi. Et comme j'expliquais tout à l'heure à une jeune fille, là, je disais, je ne savais pas les expliquer, je ne trouvais pas forcément les passages qui confortaient ce que je ressentais. Mais en écoutant les prédications sur Internet, je dis, mais oui, c'est ça! C'est ça, c'est exactement ça. Et Dieu m'a vraiment confirmé que j'étais dans la vérité, que c'était ça le vrai évangile et que c'était ça Jésus. Est-ce que tu as essayé d'en parler un peu à ton entourage ou à des chrétiens que tu connais? Mon frère était déjà au courant, il a essayé de m'en parler, mais j'étais réticente et à ce moment-là, j'étais pas prête. Ma mère, pareil, elle est OK et elle est d'accord. Mon mari et moi, on a entretenu ça, c'est super. On essaye un petit peu, mais on sait que c'est un message qui choque énormément. Waouh. Déjà, moi, en temps normal, je suis quelqu'un qui choque les gens. D'accord. Je ne mâche pas mes mots déjà. Okay, okay. Quand je suis convaincue de quelque chose, je le dis. Amen. Amen. Mais je ne suis pas forcément bien vue. voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui nous suivent ce soir? Qu'est-ce que tu peux leur partager? Moi, je crois que Dieu nous connaît. Il sait au plus profond de nos êtres notre désir et nos soupirs. Et il nous amène à la vérité. Et si on le cherche de tout notre cœur, on le trouve. Et je veux encourager les chrétiens à vivre la parole de Dieu. À la vivre, à la proclamer, mais à surtout la vivre. Moi, j'ai pour habitude d'essayer au maximum ce que j'ai compris, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, j'essaye de le mettre en pratique. Je dis bien j'essaye parce qu'on n'est pas parfait, mais j'essaye au maximum de le faire. Et je pense que dans les assemblées, si tout le monde mettait déjà le peu qu'ils connaissent en pratique, il y aurait beaucoup de choses le péché, il serait moindre, ça ne serait pas autant. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est inadmissible. Dans les églises, hein? Ben oui. Tu as vu quoi exactement? Ben, des divorces, et puis les pasteurs, ils sont OK, et puis les remariages, ces choses-là. Bon, vous en parlez déjà, mais moi, c'est des choses que je vois, c'est pas inventé, quoi, c'est vraiment ça. Il y a plein de choses, les jeunes qui font la louange, et puis avant, j'étais sur Facebook, je me suis complètement retirée parce que c'est terrible, ce truc-là. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens sur Facebook aujourd'hui. Ouais, mais Dieu m'a permis un temps d'y être, et les gens qui étaient avec moi, l'équipe qui était avec moi, de louanges. Je voyais certaines photos, certains propos. J'ai dit, mais... Et le dimanche matin, ça vient louer Dieu. Alors que la semaine, ça fait la fiesta, quoi. Je suis sidérée. Moi, j'étais écœurée. J'ai dit, non, stop. Moi, j'essaye de faire les choses correctement pour Dieu. Et eux, ils font n'importe quoi. Je dis, non, c'est pas la peine. Non, je suis pas d'accord avec ces choses-là. Est-ce que t'as été taxée un peu de folle, de... Je sais pas, ils vont peut-être pas te dire que je suis folle, mais en tout cas, on me mettait un petit peu de côté, oui, Fatima, voilà quoi. D'accord. Ouais, on sait, c'est Fatima quoi. Est-ce qu'à Valenciennes, il y a des gens, et pour des gens comme toi, comme ton mari, comme ta maman? Il commence à y en avoir. D'accord. Amen. Parce que ma mère côtoie certaines personnes, elle propage un peu ce qu'elle a reçu. D'accord. Et elle a partagé à un frère qui faisait partie des diacres, on va d'accord, dire, dans l'assemblée, qu'il a lui-même envoyé les prédications au pasteur. Ah bon? Oui. Je pense qu'il les a écoutées, mais maintenant, comme je n'y vais plus, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas l'évolution, mais d'accord. À mon avis... Waouh, que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, ce témoignage nous encourage beaucoup et... Ce serait bien si le Seigneur te permet d'écrire un livre là-dessus, sur ta conversion. Ça va encourager beaucoup de personnes, ouais. Notamment ta maman, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu, elle a un très puissant témoignage. Ouais. Wow, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si elle peut venir ou pas. Donc, on va quand même l'appeler. J'ai à cœur qu'elle vienne témoigner un peu. Et voilà, donc, que le Seigneur soit glorifié. Dieu est bon. Hein? Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Mes amis, quel encouragement pour nous de voir des frères et sœurs de tout horizon hein, qui sont touchés ici et là et par la puissance de la résurrection au nom de Yahushua. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, mes amis, travaille.
Dieu confirme son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, et nous voyons de plus en plus de nations être touchées par la puissance de la résurrection, par l'évangile pur, l'évangile véritable. Voilà. Donc, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais et pour la vie de Fatima, notre sœur, qui est de Valenciennes, mes amis, et qui est venue avec sa maman, avec une femme qui a beaucoup servi le Seigneur, une femme d'un certain âge. Et voilà, donc on va partager avec elle durant toute cette soirée, demain également. Voilà, donc elles ont besoin d'être encouragées, fortifiées. Et que l'œuvre du Seigneur se fasse également à Valenciennes. Au nom de Yahushua, notre maître. Amen. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment vas-tu? Ça va avec la grâce de Nous Dieu. Nous sommes bel et bien direct sur Radio Télé de Vie. J'ai vraiment eu à cœur de t'inviter également pour témoigner pendant quelques minutes un peu de ce que Dieu fait dans ta vie. Oui. Voilà. Donc, si tu peux déjà te présenter aux frères et sœurs qui sont là et qui te regardent, qui t'écoutent en même temps. Bonsoir à vous tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis d'origine musulmane algérienne. Je m'appelle Fatia, maman de 10 enfants, 9 vivants. Et je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré Jésus qui a transformé ma vie et qui a su toucher mon cœur pour pardonner à mon mari. Donc, lorsque j'ai rencontré Jésus, mon mari a été vraiment fâché. Et c'est une grande histoire, une longue histoire que je raconterai plus tard. Et donc, il a demandé le divorce à cause de ma foi. Mais Dieu, dans sa grâce... Donc, le divorce, j'étais pas bien quand il a divorcé. Et puis, voilà, le Seigneur m'a parlé de ne pas... j'étais divorcée par la loi des hommes. J'ai entendu cette parole, mais pas par Dieu. Donc, il fallait que je reste à mon mari, je reste fidèle. Donc, je ne dois pas me remarier. Et du coup, donc... mon mari, il avait un bistrot, un café, les femmes et tout. Je voyais toutes ces choses. Et après, par la suite, donc, il est tombé malade. Pendant un jeûne et prière, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, prépare-toi, tu vas t'occuper de ton mari. Hélas, donc, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai dit, Seigneur, je suis libre maintenant, je suis tranquille, je ne peux pas, et toutes des choses comme ça. Mais... quand on entend la voix de Dieu, il faut obéir. Mmh. Et j'ai obéi. Donc, 9 mois après, mon mari tombe dans un magasin et se casse le col du fémur. Et il appelle ma fille, Isia, qui lui dit, je suis à l'hôpital. Ma fille m'appelle, elle me dit, maman, papa, il est à l'hôpital. Mmh. J'ai dit, c'est bon, il est à l'hôpital, il l'a bien voulu. Mais il y avait avec moi Ben Ali, le troisième de mes enfants. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, maman? J'ai dit, papa, il paraît qu'il est à l'hôpital. Il m'a dit, on va le voir. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas le voir. Ça y est, c'est bon, il est tombé, il est malade, c'est bon. Mais il m'a dit, maman, et l'amour? J'ai dit, quel amour? Il m'a dit, l'amour? J'ai dit, écoute, l'amour, c'est bon. Hein. J'ai eu l'amour pour ton père pour un temps, mais maintenant, c'est bon. Il m'a dit, non, je te parle de l'amour de Dieu. Ah. Waouh. Et après, et le pardon? J'ai pardonné. Et il m'a dit, non, tu n'as pas pardonné vraiment. Et j'ai dit, écoute, je vais te prendre, on va y aller, mais c'est pour toi que je le fais. Et quand je suis rentrée dans la chambre où il était mon mari hospitalisé, là j'ai vu vraiment un homme SDF, vraiment un son domicile fixe. Son domicile normalement, je le voyais, il n'avait pas de domicile, mais avec Dieu, c'est ça. J'ai compris qu'il n'avait pas de place. Et là, le Saint-Esprit me rappelle. Rappelle-toi que je t'avais préparé, je t'avais demandé, prépare-toi, tu vas t'occuper de ton mari, c'est maintenant. Et j'ai pris la décision de m'occuper de mon mari. Mm-hmm. Donc, je l'ai accueilli à la maison. Pendant des mois, il était à l'hôpital, après en rééducation. Et au bout de 3 mois, sans lui imposer quoi que ce soit, il m'a dit, comment que ça se fait que tu ne t'es pas remariée? Comment que tu n'as pas été avec un autre? Je dis, Dieu et Jésus que tu as harcelé, que tu as divorcé parce que j'étais chrétienne, c'est lui qui m'a demandé de m'occuper de toi. Il m'a dit, il parle Jésus? J'ai dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Et voilà, donc je suis là jusqu'au bout avec toi.
Il m'a regardé et puis il a levé les yeux au ciel et m'a dit, est-ce que tu as la Bible ici? J'ai dit, oui, je l'ai. Il m'a dit, donne-moi la Bible. Je lui donne et prend la Bible par respect. Il l'embrasse et dit, merci Jésus d'avoir gardé ma femme pour moi, pour qu'elle s'occupe de moi. Wow. Et voilà, jusqu'au bout, j'étais avec lui et je rends grâce à Dieu parce qu'avec ce temps, il a demandé pardon à Dieu en premier. Mm-hmm. Il a reconnu Jésus comme son sauveur et son maître. Amen. Et il a demandé pardon à tous les enfants et à moi-même. Et maintenant, je sais qu'il est bien arrivé. Il est auprès du Seigneur. Amen. Donc, voilà. Il est décédé après. Il est décédé. Il wow. est parti. Il est auprès du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est la plus grande joie. C'était la fin du chapitre du livre que je... Avec l'aide de Dieu, je vais écrire un livre à toutes les mamans et ceux qui sont persécutés, qui le divorcent surtout. Il ne faut pas divorcer. Mm-hmm. Il faut prier pour vos maris et les maris prient pour leurs femmes. Et rester ensemble jusqu'à la fin. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, si tu veux de l'aide par rapport à ce livre hein, que tu ouais. as à cœur d'écrire, ben, ouais. je sais, on va pouvoir t'encourager. C'est quelque chose de très, très, il y a très longtemps que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un livre mm-hmm. pour encourager surtout. C'est pas pour l'argent, pour encourager, pour aider aussi comment ça s'est passé, parce que c'est une longue histoire mm-hmm. que je pourrais raconter. Et j'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas su. Mais c'est vrai, la fin, c'était, il manquait un chapitre. C'était l'aide et le pardon pour mon mari. D'accord. C'était ça, le dernier chapitre, c'était le pardon et la conversion pour mon mari mm-hmm. qui s'approche du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de mon mari, j'ai rencontré le Seigneur et au travers de moi, il a aussi rencontré le Seigneur. Wow. Voilà. Et wow. le divorce n'est pas pour les chrétiens Amen. Et surtout même pour les autres. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Quel témoignage. En tout cas, on va vraiment faire le point par rapport à ton livre. Oui, merci et, beaucoup. On va pouvoir te soutenir merci, Shora. Pour qu'il soit édité. Et merci édité. À toute l'équipe. Et on va l'éditer au nom de Yahushua. Merci beaucoup. Alléluia, gloire merci. À Dieu. Merci, merci, merci. Que le Seigneur soit glorifié, mes amis. Quel témoignage, hein, quel témoignage. Et je voulais te poser la question. Comment as-tu connu le message que nous partageons? Ben, c'est au travers d'une... au fait, c'est... Je sais que j'étais vraiment, depuis le début, quand j'étais jeune, dans la famille musulmane, il y avait une tante, la polygamie, mm-hmm. et j'étais témoin d'un homme qui avait il faisait la différence entre les deux femmes, d'accord. et surtout les enfants. D'accord. Et ça, j'étais pas bien, parce que par rapport à ce qu'un homme peut aimer deux femmes à la fois, mm-hmm. et moi, j'étais... troublée par ça. D'accord. Et c'est après, quand j'ai rencontré le Seigneur, et c'est ça, parce que personne ne m'a obligée à lire la Bible ou à rencontrer Jésus. C'était une recherche, c'était quelque chose qui était en moi. Mm-hmm. Et cette sœur qui m'a parlé de Jésus, elle s'appelle Mary, mm-hmm. c'était vraiment une guerrière, et je rends grâce à Dieu pour cette femme. Amen. Elle nous a portés, elle nous a aimés. Elle ne m'a pas forcée, elle m'a parlé de sa vie, de sa rencontre avec Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer une Bible? Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé par le commencement. Donc, Dieu créa le ciel et la terre, mm-hmm. et créa les animaux, et après, Adam et Ève. Et arrivé à la côte, j'ai dit, la côte, une côte? Comme ça, j'ai posé, une côte? Ben oui. Donc, ce n'est pas un harem. Dieu aurait pu enlever toutes les côtes de l'homme, mm-hmm. et quand il se réveille, il aurait trouvé plusieurs femmes. Mm-hmm. Et moi, j'ai dit, ça, c'est le Dieu de la Bible que je crois en lui. Je n'ai pas été à l'église, ce n'est pas des pasteurs, c'est toute seule à la maison. Wow. Vraiment, j'étais convaincue par cette parole. Que une côte, donc pas deux ni trois. Donc, il n'y a pas de remariage, il n'y a rien du tout. Mm-hmm. Et c'est ça. C'est clair. C'est très, très clair. Ah, alléluia. En plus, il y a le frère, je peux le parler, mm-hmm. le frère Henri Vieux-Murat, mm-hmm. que j'ai écouté, donc je cherchais pour parler, j'essayais de dire aux gens, il ne faut pas divorcer, j'essayais de les convaincre, j'essayais de leur parler, et je n'arrivais pas, et puis je dis, il faut que je cherche sur Internet. Et je trouve les messages audio du frère Henri Vieux-Murat. Mm-hmm. Et là, j'ai trouvé le couple. Alors là,
En fait, tout ce qu'il disait, ce frère, ce qu'il a dit, c'était, moi, je l'avais déjà reçu. D'accord. Et je l'ai contacté par mail en le remerciant. Je croyais que j'étais la seule. Et puis j'ai dit, je te remercie Seigneur parce que tu parles à ton peuple et tu parles à tes serviteurs aussi. Donc je suis pas folle parce que les gens, ils ont dit, bon, celle-là, elle dit n'importe quoi. Donc voilà, c'est merveilleux. Et je rends grâce à Dieu. Mari et femme, il faut vous tenir la main dans la main. C'est un conseil. Et il faut pas divorcer. Restez ensemble. Je vous en supplie, au nom de Jésus. Amen. Il faut pas pousser son mari Voilà. au péché, s'attendre à ce que en fait une occasion de chute pour pouvoir une raison pour pouvoir divorcer, parce que beaucoup de chrétiens le font. Mon mari, je vais vous le raconter. Mon mari, c'était un homme qui aimait les femmes, les boîtes de nuit. Et maintenant, ben, c'est du passé. On avait un bistrot, un café. On était patron de café avec sa serveuse devant moi. Des choses sont passées et je lui ai pardonné. Je peux pas rentrer. Je veux pas rentrer dans le détail. Ce qui s'est passé devant mes yeux et j'ai pardonné à mon mari parce que il faut le libérer. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Elle libère le prisonnier qui est là. Et ça, je le crois et je le sais. Si j'avais pas pardonné à mon mari serait en enfer maintenant. Et ça, je le crois. Il faut pardonner. Il s'est passé des choses. Et je rends grâce parce que si mon mari était décédé sans que j'aurais pas obéi à Dieu, je me serais voulu. Et là, ma foi, elle aurait été zéro. Maintenant, je rends grâce à Dieu et l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, elle transforme. L'évangile, il transforme, il se révèle, il libère. Et je vous en supplie, mari et femme, restez ensemble, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Et je crois que pendant votre séjour ici, enfin, ta fille et toi, on va pouvoir avec l'équipe de télé Radio de Vie avoir quelques témoignages, quelques encouragements, quelques exhortations de vous Ouais. afin de pouvoir le diffuser sur nos médias. Il n'y a pas de Et problème. il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent depuis la Tunisie, aussi du côté d'Algérie. Est-ce que c'est possible que tu puisses leur dire un petit mot pour les encourager dans leur marche chrétienne, mais en arabe, si c'est possible? L'arabe, je le maîtrise mal. D'accord. J'ai oublié, ça fait des années. Qu'est-ce que je peux leur dire? Sidna Issa huwa al-haq wal-hayat. طريق الحق والحياة هو فداكم فدا دمه عليكم باش تصلحوا وتكونوا مصلحين وحق j'arrive pas à trouver les mots. C'est pas C'est grave. pas facile parce que ça fait longtemps que je suis par ici C'est pas grave. et je maîtrise mal l'arabe. Mais Malheureusement, mais c'est déjà pas mal. C'est une belle je vais m'y langue. mettre. Ouais, C'est une belle merci. langue et que j'aime de plus en plus parce que Merci beaucoup. quand j'étudie l'hébreu Oui. et je me rends compte que c'est vraiment une langue qui est un peu similaire à l'hébreu. Et par exemple, en hébreu, une maison, c'est dit bet Oui. et en arabe, c'est beit. Bête, Voilà, bête. voilà. Donc, et Aleph, c'est un Alif, Alif Alif, en arabe. ouais. Donc, c'est vraiment une belle langue. Et Ouais. l'écriture est très, très L'écriture est belle. très belle, ouais. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui sont d'origine, notamment arabe, hein, donc, d'origine maghrébine, qui suivent les enseignements, qui travaillent également avec nous. J'étais à Tunis à plusieurs reprises. J'ai rencontré les frères et sœurs. On a vécu des belles choses. J'ai même les images, je te les montrerai. Merci. C'est des chrétiens C'est debout. magnifique. C'est beau. Parce C'est que beau. moi, si j'avais écouté, parce que une musulmane qui divorce, il faudra qu'elle se remarie, qu'elle reste pas pour ne pas pécher, pour ne pas aller avec d'autres hommes. Si j'avais écouté ma famille et tout, ben, t'es jeune, remarie-toi. Eh ben, j'aurais fait n'importe quoi, mais c'est le père de mes gosses et je suis fière et Amen. je suis très contente et d'être allée avec lui jusqu'au bout de la fin, mais la fin, elle est belle. Alléluia. C'est vraiment magnifique et je suis fière d'être restée. Je resterai veuve jusqu'à la fin. Les vraies veuves, elles vont enseigner les jeunes.
À bientôt, gars, tu vas venir nous faire. Alléluia. Soit béni. Et puis nous avons aussi Maman Fatia qui est là. Bonsoir, c'est une joie de t'avoir à chaque fois avec nous. Merci, parce Alléluia. Que pour moi, ce n'était pas prévu. Mm-hmm. On devait venir que samedi et repartir. D'accord. Et ma fille, elle m'a dit, maman, je sens qu'on doit encore rester. Wow. On est resté dimanche. Et après, elle dit, je sens encore qu'on doit rester lundi. Alors je dis, on va y aller jusqu'au bout. On finit la soirée avec vous. D'accord. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu a fait grâce. Ma fille a vraiment donné son cœur à Jésus. Amen. Et je suis dans la joie. Donc, 24 ans de lutte. Wow. 24 ans de misère. Wow. 24 ans de rébellion. Uh-huh. C'est la rebelle de c'est toutes, ça, c'est ça. De mes trois filles. Wow. Et Dieu touche toujours les rebelles. C'est ça. Ouais. Donc, le rebelle, il peut faire ce qu'il veut, mais quand Jésus a décidé, son nom, c'est Yeshu el-Messih. Mm-hmm. C'est le plus grand, c'est le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Et quand une mère prie, quand une mère, elle laisse tout au Seigneur, donc le Seigneur, il voit et il touche un par un. Amen. Et je sais qu'un jour, je verrai mes enfants. Tous à Christ. Amen. C'est ma seule prière. Je ne veux pas qu'ils travaillent, qu'ils aient un métier, de l'argent, parce que la richesse, elle éloigne les enfants. La seule chose, c'est le salut de leur âme. Amen. C'est ma prière. C'est tout. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux conseiller alors aux femmes, aux mères, justement, dont les enfants ne veulent pas prier, ne veulent pas du Seigneur et qui souffrent? Moi, les débuts de ma conversion, je croyais qu'il fallait que les enfants doivent faire ça. Donc, j'ai suivi un petit peu. D'accord. Mais mettre la pression et qu'ils doivent obéir. Mais le Seigneur m'a appris, demande à moi. Mm-hmm. C'est moi qui est aux commandes. Mm-hmm. Mais j'ai eu du mal à suivre. Mm-hmm. Mais là, les derniers temps, les dernières années, là... vraiment, je suis comme. J'étais comme Marthe avant. Mmh, mmh. Maintenant, je suis comme Marie. Alléluia. Donc, je suis assise au pied du maître et j'écoute et j'agis avec sagesse. Je ne veux pas précipiter, je laisse Dieu faire. Amen. C'est Dieu, c'est lui qui est aux commandes. C'est Amen. Lui qui sait à quel moment, à quel instant. Parce que nous, on met la pression, on voit les enfants chrétiens qui se convertissent, mmh. qui vont aller à l'église et tout. Ma fille, elle a été, la preuve, elle a fait n'importe quoi, mais elle s'est pas engagée. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu, c'est pas moi, c'est d'elle-même. Amen. 24 ans. Naturellement. Hein. Naturellement. Ouais. Fatima a reçu de Dieu qu'elle lui a dit, écoute, elle avait une invitation D'accord. d'aller voir une amie à Dunkerque. Et là, elle avait deux choix.
de venir ici. Fatima, écoute, elle lui a dit, moi j'ai à cœur, et le Seigneur, elle pleurait, elle lui a dit, il faut que tu ailles samedi, et Dieu a quelque chose pour toi. Moi, j'ai rien dit. Je dis, Seigneur, moi, je ne vais pas encore me disputer avec elle ou l'imposer. Je dis, fais ce que tu veux. Et elle, elle a dit, bon, le choix est fait, je vais y aller samedi. Waouh, amen. Mais Dieu a parlé dans des précisions à son cœur. Avec précision, je dis. Waouh. Ça a été, moi, je sais tout, et toi, tu ne connais pas ma fille. Et Dieu a parlé de ta bouche. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a mis dans ton cœur pour... les brebis blessées, les personnes qui sont vraiment touchées. Et Dieu, tu es un père, tu as des entrailles de miséricorde. Amen. Je ne trouve pas les mots. Amen. Et je ne veux pas t'élever, hein, parce que ce n'est pas bien d'élever l'homme. Mais il est bien de le dire. Et que tu as été envoyé par Dieu. Ce n'est pas les hommes. Et ça, je le sais. Amen. Ça m'a été révélé. Je ne te connaissais pas. Mais voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment que Dieu me donne pour rendre témoignage. Amen. Un témoignage, c'est puissant. Il va au-devant des puissances sataniques, diaboliques. Amen. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Il ne peut rien faire, le diable. Rien du tout. Il fait ses petites... ces petits trucs pour nous faire peur, mais quand on a Christ, on n'a rien à craindre. Ah, il n'y a rien qui nous arrête. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Je vous encourage tous. Amen. Et comment le Seigneur t'a-t-il touché? Parce que là, tu brilles, là, que Dieu soit béni. On sent que la vie a pris place. Alléluia. Merci Seigneur. Tout simplement, c'est comme ma mère le disait, j'étais rebelle. D'accord. Plus rebelle que moi, c'est vrai que... Il y en a peut-être, mais c'était vraiment des combats directement avec ma mère. D'accord. Du fait qu'elle était chrétienne. Waouh. Parce qu'en fait, j'ai été dans l'église. J'ai été blessée. D'accord. Je me disais que par rapport aux chrétiens, quand on dit par rapport à l'église, on cherche toujours à ce qu'on aille dans les bâtiments. Et quand on y est, moi, j'entendais souvent parler de l'amour de Dieu. Mais quand on est justement dans l'église, où est l'amour de Dieu? Et donc, en fait, là, je me suis vraiment pris beaucoup de choses en pleine figure. D'accord. Par les chrétiens, Wow. Qui soi-disant se disaient frères, et on parlait de l'amour. Et l'amour de Dieu, justement, t'es ma sœur, t'es mon frère. Et je trouvais plus d'amour à l'extérieur malheureusement que dans l'église. Donc, du coup, il y avait beaucoup de concurrence. D'accord. Par rapport à la musique. Ah, t'es habillé comme ça, t'es coiffé comme ça, comme ci. Donc, ça peut partir de rien, mais ça peut blesser et faire beaucoup de dégâts. Bien sûr. Et justement, le dégât que ça a fait chez moi, c'est que je suis partie de l'église. D'accord. J'en ai voulu aux hommes, mais aussi à Dieu. Pourquoi? Alors, pourquoi laisses-tu faire ça? Pourquoi? Pourquoi je pleure et pourquoi tout ça arrive alors que justement je voulais m'avancer, je voulais connaître l'amour que ma mère connaissait avec Dieu, mais je m'étais peut-être attachée aussi à l'église et aux hommes. Je voyais trop de choses, je voulais ressembler à telle et telle personne alors que c'était pas du tout ce que Dieu voulait. Donc il a permis que je passe dans le désert et là j'ai eu la leçon qu'il fallait. D'accord. J'ai été dans la région musulmane. D'accord. Je me suis engagée avec des personnes de la région musulmane. D'accord. J'ai tout fait. J'ai chanté dans le monde. Wow. Comme c'était justement le chant qui m'avait aussi attiré. Attiré. Donc j'ai chanté dans le monde. Il y a eu des propositions que je n'avais jamais eues. La place que je voulais aussi avoir dans la louange, etc. à l'église et qu'on me refusait d'avoir parce que certaines personnes devaient être plus élevées que d'autres. Et dont moi, on m'avait cassé. Donc justement, je trouvais cette reconnaissance parmi le monde. Donc du coup, je l'ai trouvée, je suis restée dans le monde par rapport à tout ça. Et avec ma mère, je voulais plus manger de sa main. D'accord. Carrément. Elle était chrétienne. Non, je mange pas de ta main, t'es chrétienne, je refuse. Wow. Ça a été vraiment très très loin. C'était très très dur pour elle, malgré que je la voyais
me parler et me dire, il va t'arriver ça. Mmh. Attention, la maladie. Mmh. Je sens Dieu m'a parlé, il va t'arriver ça. Clairement, je lui disais, vas-y, jette tes sorts. Mmh. Je disais ça à ma mère. Wow. Ça y est, tu continues, tu jettes encore un sort. Maintenant, en y pensant, je me dis, mais Dieu lui parlait. Mmh. Et moi, j'étais où ? Qu'est-ce que je faisais ? Mmh. Et Dieu a vu ma rébellion. Et de là, ce qu'il avait dit, mmh. il l'a fait. Waouh. Je suis passée par des tumeurs, des opérations. En peu de temps, j'en ai fait 6. Waouh. Hémorragie interne, etc. À une demi-heure près, à plusieurs reprises, je ne devais pas être là. Si Dieu n'avait pas choisi que c'était pas maintenant, ben, mmh. je le vois aujourd'hui. Pourquoi ? Et Dieu m'a ramené justement à me poser toutes ces questions. Pourquoi tout ce que maman a dit ? C'est moi qui décide de ta vie, c'est pas en cherchant ça ou ça. Mmh. L'amour que tu recherchais peut-être d'un père, tu ne l'as pas eu par ton propre père, mais mmh. je suis là, je peux te le donner. Mmh. Et je l'ai recherché aussi dans les amis. Le vide que j'avais, mmh. je le recherchais. Mmh. Et Dieu me l'a donné. Et quand ma sœur Fatima, justement, m'a dit... je me posais déjà pas mal de questions. Mmh. Dieu m'avait changé par le caractère petit à petit en mmh. écoutant ma mère. Dieu me changeait. Et dernièrement, quand Fatima m'a dit, Isia, toute la semaine, il faut que Dieu m'a parlé, il faut que tu viennes. Mm-hmm. Je dis, oui, mais attends, je dois faire des enregistrements studio, mais je ne peux pas. J'ai mon album à préparer. Wow. Là, je dois y aller. À partir de vendredi, j'y suis. Quoi. Je viens d'un cas, je dois faire des enregistrements studio. Toute l'équipe, ça y est, on est mobilisés, parolières et tout, compositeurs et tout ça. J'ai dit, non, je ne peux pas. Ça fait des années que j'attends ça. Pourquoi ? Elle me dit, tu sais quoi, Dieu, soit tu fais ça, moi, Dieu m'a dit, il faut que je parle. Maintenant, tu écoutes, et j'ai écouté. Ça a mis 10 secondes dans ma tête. Et bon, je n'ai pas écouté pour les maladies, pour tout ça. Non, 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 je ne veux pas repasser par l'épreuve. Je dois y aller. J'y suis allée, et le Seigneur a fait grâce, a touché mon cœur de par le message que vous avez passé, frère, et là, j'ai retrouvé la famille que je cherchais, l'amour que je recherchais. Amen. C'était pas dans le bâtiment, c'était pas pour élever qui que ce soit, c'était pas moi, je suis plus que toi. Ouais, ouais. J'ai vu l'humilité des cœurs aussi. J'ai Amen. Vu des gens vrais qui aiment Dieu. Amen. Et qui aussi n'attendent pas d'avoir l'argent, uh-huh. la célébrité, etc. Et voilà, Alléluia. Le Seigneur a touché mon cœur et je me sens bien. Wow. Voilà. Bah, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Là, c'est... Merci Seigneur. Aussi, justement, j'ai pris mon baptême et ma mère était présente. Voilà.